Ce samedi 16 octobre, Alain Appia sera ordonné diacre permanent. Un appel particulier qui l'engage lui-même, mais aussi sa famille, en particulier son épouse Joséphine. Bonjour, je suis Alain Appia, 51 ans, originaire de la Côte d'Ivoire, marié à Joséphine et j'ai trois enfants. Nous avons trois enfants, Guy Patrice, Grâce, Elisabeth et Christ Emmanuel. Je suis électricien de fonction. Et le samedi 16 à 16h au Chartreux à l'église Sainte-Marie-Madeleine, je serai ordonné diacre permanent. Oui, cela fait depuis un bout de temps que le Seigneur m'appelle, mais avec la réflexion et les occupations de la vie quotidienne font que j'ai mûrement réfléchi à cet appel. Et qu'aujourd'hui, finalement, j'ai pu répondre au Seigneur. Et pour cela, j'ai demandé de m'approcher dans ma communauté pour faire face à cet appel qui aujourd'hui va être concrétisé. Ma joie dans l'Église, c'est de répondre à l'appel du Seigneur, car nous savons bien et que servir le Seigneur, c'est très important. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont trop peu nombreux. Parce qu'au début, ce n'était pas facile pour elle de voir son mari, du jour au lendemain, aller servir l'Église et le peuple de Dieu. Elle a dit, mon mari pourra abandonner son foyer au détriment de l'Église. Et quand elle a vu que d'abord la première mission d'un diacre, c'est d'abord servir sa famille, ensuite le peuple de Dieu et l'Église. Mon rêve aujourd'hui, c'est que l'Église soit une Église missionnaire, une Église en sortie. C'est pour cette raison que aujourd'hui le pape nous invite à aller proclamer l'Évangile, à aller, ne pas avoir peur d'aller vers les autres pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je demande à ce que mes frères et sœurs que vous êtes, que nous, main dans la main, que nous sortions de notre église, de notre environnement pour proclamer cette bonne nouvelle à tous. Mon ordination, ce sera le samedi 16 à 16h au Chartreux, venez nombreux me soutenir pour qu'ensemble nous puissions former une belle et sainte communauté.